Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de l'aventure des trois fermes. Alors bien sûr, juste avant, encore une fois, ça continue comme tout le temps. Un énorme merci parce qu'on s'avait fait du coup, alors on était à 100 commentaires dans l'épisode d'avant. J'ai dit, bah, les amis, on va essayer d'arriver aux 1000. Et vous n'avez pas fait 1000, vous avez fait 1600 commentaires, c'est juste fou. Merci à vous tous les gars, ça fait hyper plaisir. On va essayer de terminer le défi des 200 bots dans Ruban Affair. Il y a du boulot et en plus il y a très serré avec l'équipe de Damien. On est parti les amis, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo les amis, je suis accompagné de Kevin, Zero, LSC et Damien, salut. Salut, salut. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, on va dire que ça va parce que ça fait juste une heure qu'on essaie de tourner la vidéo. Mais bon, il y avait des bugs de serveur, les amis, c'est pas bien. Donc là, les amis, on est en plein dans le défi du coup des bots enrubanés. On doit toujours faire 200 bots. Alors, je savais pas trop si on faisait 100 bots ou 200, ou 150 ou 200 bots parce que 200 bots c'est quand même beaucoup. Mais au final, on est déjà pratiquement à 100 bots chacun. Donc, on va, à mon avis, on va arriver aux 200 bots assez facilement. Donc, alors, on garde les 200 bots. Je rappelle du coup vite fait les lots à gagner. Donc, si on est premier, c'est soit un tracteur, soit une ancileuse, soit une moisse batte. Bien sûr, interdit de vendre. Hein. Le deuxième gagne 100 animaux et le troisième, du coup, un petit champ. Donc, le petit champ, les amis, je vais vous montrer. C'est le champ du coup numéro 5, c'est celui qui va le petit champ en gros, c'est le champ qui vaut le moins cher à l'achat. Donc en gros, pour nous c'est plutôt un malus parce que c'est vraiment loin de la map, il faut monter la côte donc c'est un petit peu chiant. Donc du coup ce sera le champ numéro 5 qu'on gagnera si on arrive 3ème. On va voir qui va gagner, on sait pas si on aura terminé du coup le défi avant la fin de la vidéo. En tout cas on est parti, si vous kiffez n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et on est parti. Ok donc les amis c'est parti, je suis avec Zero. Alors bon du coup on a bossé hors vidéo de fou, vraiment de fou. Parce que alors ce champ là a été semé complètement en soja les amis. Alors on a préparé le défi parce qu'il faut vraiment qu'on gagne ce défi. On a semé hors vidéo les amis de l'herbe dans ce champ là et ce champ là. Les champs ont été pulvérisés x2 pratiquement. Allez donc c'est le champ numéro 24 et 32. Regardez il y a tout ça qui est en herbe plus le champ numéro 30. Le champ numéro 30 il y a aussi énormément. Alors ce champ là n'est pas encore, enfin il est encore en cours de croissance. Ce champ là les amis de soja on va aller du coup pulvérisé pour enlever les mauvaises herbes. Et du coup Zero tu peux commencer à charger les bots je pense hein. Bah du coup tu les bots qu'on a. Donc au total on a environ, je crois qu'on a, dépassé les 100 bots. On doit être à 100, oui, 110, 115 facile, ouais. Donc on va être pas loin du défi. Donc ce que je vais faire c'est parti. Alors on va tout simplement déjà on va aller chercher le pulvé qui je ne sais pas où. Le pulvé est rangé là. Il me faut un tracteur de libre par contre. Alors pour vous expliquer les amis, ce tournage c'est un tournage, alors là c'était la merde pour tourner, vraiment c'était hyper la merde parce que on a eu des problèmes de synchronisation parce qu'il y avait des problèmes de plateau, voilà, les plateaux autoload et les fours autoload sur serveur c'est la merde mais totalement. Donc bon on va essayer de voir si ça fonctionne. En tout cas énormément gros merci, je sais pas, même Zero t'as vu mais t'imagines le nombre de vues que la vidéo a fait et les commentaires, ouais, c'est énorme, ça vous plaît mais en fait de plus en plus alors qu'on arrive à la fin, c'est énorme, ça fait trop plaisir. Il y a quoi de normalement. À moi c'est l'inverse mais ça vous plaît de plus en plus. Donc encore une fois merci à vous. Donc on va essayer de faire un bon épisode amis, même si alors celui-là sera peut-être un petit peu plus court. Mais bon on va essayer de faire quand même un truc sympa. Bon, on va atteler ça. Par contre du coup Zero t'es en train de semer un champ là, le champ derrière la ferme là, ouais, quoi, tu sais quoi. De blé. Ok bon, ouais non mais ouais. En vrai le champ de soja s'il est récolté au maximum plus le champ de blé aussi genre ce champ là le gros champ, ah mais il est énorme, en vrai ce champ il est énorme. Mais bon on verra. Ah, d'ailleurs pour info, le champ 18, je sais pas si vous voyez lequel c'est. Le champ 18 qui est là, qui est à nous. Kevin m'a parlé. Bah Kevin voulait. Non pas Kevin, LSC voulait l'acheter. Ah bah ouais, vous voulez l'acheter mais. Donc il vaut 180 000 si on le revend nous. Et du coup je lui ai demandé 200 000 euros. Comme ça on aura 20 000 euros de plus. Donc c'est déjà ça. Et alors pour info, ah oui c'est vrai, du coup dernier épisode je vous ai demandé pour un nouveau tracteur. Alors qu'est-ce qu'on voudra acheter? Vous avez été très nombreux à proposer les amis du coup le Caz Optum Black. Du coup c'est un tracteur qu'on a gagné. Mais. Dans la vidéo déjà on va s'acheter un semoir dans la vidéo parce que du coup je compte acheter un semoir beaucoup plus gros. Je compte acheter donc en gros c'est ce semoir là donc il fait blé et tout donc c'est le green le tracteur, plante. Faut l'acheter le tracteur. Voilà mais voilà c'est le problème c'est qu'il faut un tracteur assez puissant, il faut 250 chevaux donc si on gagne un tracteur autant gagner un bon tracteur. Donc moi je comptais je comptais avoir un tracteur mais lequel je sais pas du tout. Soit on passe sur un tracteur du genre Challenger ou un truc gros. Mais H1I ça fait vraiment, on se croirait aux États-Unis donc peut-être ça fait un petit peu trop. Mais en commentaire amis je compte sur vous. C'est vrai qu'est-ce que vous voulez qu'on achète comme gros tracteur. En vrai on serait aussi un peu les premiers à avoir des gros tracteurs aussi. Donc ça serait cool, ça ferait un truc sympa. Par contre je vais juste désactiver les mauvaises armes. Pas les mauvaises armes mais qu'on... Ah c'est bon, destruction ouais, ouais, au minimum ouais. Sinon je vais tout écraser. Donc allez on est parti, faudra qu'on aille vendre aussi. Ah les chevaux, alors là allez les amis, dans les commentaires vous écrivez GG, je m'en fous. Tu marques GG les chevaux, voilà. Parce qu'en gros j'ai fait courir du coup un cheval, pratiquement, pas au maximum mais j'ai fait beaucoup courir. Il valait 200 euros et regardez comment il vaut maintenant.
Vous allez voir, vous allez faire, je vais faire, what, c'est trop bien. Alors, celui-là, Prince, il vaut 500 euros. Et maintenant, il vaut 9000 euros l'autre. On l'a fait courir à mort, à mort, à mort. Donc, attends, est-ce qu'il faut le laver par hasard? S'il faut le laver, on lave un coup? Non, même pas. Donc, on va le vendre, du coup, Lucky. Donc, on l'enclos et tout, non? Qu'est-ce qu'il y a? On vend l'enclos et tout, non? Non, parce que du coup, il y a encore l'autre qu'on va pouvoir faire courir dans le prochain épisode. Donc, par contre, on va vendre Lucky. Par contre, comment on fait pour le vendre? Ça, c'est la grande question. Ah, de Lucky, t'étais un bon gars. C'était un bon gars, t'es un bon cheval. Par contre, comment on le vend? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut prendre la. Ah, à mon avis, attends, si on va là au pire. Maintenant, faut aller là. Tu te mets ici, tu fais R. Non, c'est là qu'il faut aller, pardon. Ok. Donc là, du coup, c'est Lucky. 9000 balles. Allez, c'est parti. On déplace, on vend. Et du coup, c'est bon, on a de l'argent. Total, frais, on a juste 300 euros de frais. Et du coup, bah écoutez, c'est parti. Plus 9700 balles. Voilà, magnifique. Bah voilà, du coup, on a vendu un cheval. Et donc, ouais, on le fera courir celui-là dans le prochain épisode, je pense. Comme ça, on essaiera de le. Mais vraiment bien faire courir. Hein, genre vraiment au max pour que. Allez. En vrai, je pense que le max, je crois que c'est environ 50 000 euros le cheval. Ça peut pas monter plus. Donc, même si on arrive à le vendre au moins 20 000, ça serait cool de vendre 20 000 euros en cheval quand même. Serait... En plus, le pauvre, il a bien souffert parce que bon, on s'en est pas trop occupé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, ouais, du coup, je recharge les bottes. Je vais juste passer un petit coup. Alors, vous avez demandé pourquoi il y a encore des patates. Parce que tout simplement, j'ai semé du coup tout le champ. Avec le semoir, mais le semoir était vide et je me suis dit pour ce qui reste, c'était un petit peu serré. Mais bah, du coup, il y aura une partie là-bas qui sera pas pulvérisée en mauvaise herbe. Là, je vais juste faire la. Oh, je suis vraiment en grosse partie, hein, vraiment juste pour enlever les grosses mauvaises herbes. Parce que du coup, cette partie-là, les patates qui restent, on va les déchaumer, hein, ça ne servira à rien. Par contre, alors du coup, à l'ouvrier, je pense pas que je vais pouvoir le mettre parce que. Bah, parce que simplement, c'est un champ qui a été créé. Attends, Zero, est-ce que tu peux pulver un petit peu? Comme ça, je vais montrer un petit peu notre contenu. Je vais mettre la moitié. Tu ramasses pas les bottes du coup? Si, bah, je vais ramasser les bottes. En fait, il faut qu'on pulvérise ce champ. Dès que le champ est pulvérisé, on va pouvoir avancer le temps pour faucher du coup les deux champs derrière. Mais là, on peut pas encore les faucher, donc du coup, faut qu'on se grouille de vite pulvériser. Donc vas-y, pulvérise Zero. Moi ce que je fais, je vais préparer la moisson. Parce que les bottes au final, même si elles sont pas rangées, elles sont quand même pressées, donc c'est bon. Donc vas-y, pulvérise, moi je vais préparer la moisson juste ici. Parce qu'on a un champ du coup de... C'est quoi, c'est du soja qui, je crois, ou de la... Non c'est du soja, je sais même pas ce que c'est. Qu'il nous faut moissonner. Et d'ailleurs si on est premier du coup pour ce défi les amis, on gagne du coup donc soit un tracteur, soit une ancileuse, soit une moisse batte. Moi je comptais m'acheter oui, c'est la case Zero, c'était la 2080. Je crois elle est énorme, c'est la Lexion 2080, c'est une des plus grosses dans le farming, enfin en mode du moins. Et en vrai, je pense que ça peut être sympa de se l'acheter si jamais on gagne. À mon avis, ça va vraiment être très très serré, vraiment. Mais en fait, c'est un reskin de la 2020 qui est pas encore sorti, mais qui est la plus grosse mode du monde. Voilà, c'est la plus grosse. Mais du coup, d'ailleurs, les amis, pour info, je suis du coup partenaire farming officiel. Donc j'ai un lien en fait qui sera en description si vous voulez. Pour ceux qui comptent précommander du coup le DLC sur le site de farming, que ce soit sur console, même je crois. Enfin, je crois que c'est sur PC, je sais pas comment ça se passe sur console. Non, PC Max et tout. PC, voilà, donc sur PC et Max, si vous voulez le précommander, en fait, j'ai sur le site officiel, au lieu de précommander bêtement. Au lieu de précommander juste comme ça, précommander en fait avec mon code, c'est juste un code et en fait c'est juste que vous payez pas plus cher, juste que si vous commandez je récupère quoi 3% des... Oh, c'est que 3% mais c'est déjà ça. Et j'ai compté au bout de 25 DLC achetés avec mon code, bah du coup je peux vous en offrir un autre de plus. Donc en vrai voilà, je compte vous en faire gagner environ une vingtaine voire une trentaine DLC, je pense voilà quand le DLC sortira. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent précommander le DLC, bah, passez par mon code, c'est le site officiel, jusqu'à la fin du lien il y a un code de cerveau. Donc voilà, tout simplement les gars, le lien sera en description. Et en plus c'était déjà très nombreux à avoir téléchargé ça, on est presque à 1000 clics sur le lien en quelques jours. Donc ça fait très plaisir, merci à vous les gars. Et donc voilà, bon alors du coup j'ai l'impression que je parle hyper vite par contre, j'ai l'impression de parler hyper vite. Mais bon, ça marche. Après c'est qu'on a l'habitude hein. Donc là du coup la moissonneuse c'est bon, elle est en route, elle moissonne, on va juste la porter une petite benne. Dès que t'as fini de pulver, tu me dis, hein. Dès que t'as fini de pulver, mec, ouais, on avance le temps. Bah, pulver, je mets un coup d'herbicide, quoi. Ouais, ouais, attends, du coup, je vais regarder par contre. Donc là, alors, du coup, ce champ-là, du coup, c'est du. C'est du... Ouais, c'est, donc, attends, c'est du soja qui est. Le soja. Donc là, on a du soja qui est ici. On a de l'herbe. Donc, alors, dans ces champs-là, j'ai semé une moitié d'herbe et une moitié de colza ici. Donc le colza, bah, on le récoltera aussi. Donc là, du coup, dans les mauvaises herbes. Après, c'est des mauvaises herbes. Donc, ouais, tu fais juste en grosse partie. Et dès que c'est mûr, on commence direct à récolter. Ouais. Presque en vrai, j'avais d'avancer le temps maintenant, mec. On va avancer le temps maintenant. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Dès que ça commence à pousser, bah t'arrêtes, mais c'est pas grave. Donc croissance. Mais mets la troisième cul, mets la croissance. Ouais, ouais, c'est bon. J'ai mis la croissance au max. Je vais juste apporter du coup la benne. Une fois que la benne est apportée, bah du coup, dès que le champ est mûr, t'arrêtes et on va pouvoir commencer. Mais là, mec, faut charbonner l'herbe là. Hein. Mec, mais c'est ça, faut charbonner l'herbe. Il me manque un tracteur, vite un tracteur. Il me faut mon petit tracteur. Ah, t'as gagné le cas au pire. Il y a le fan de 1000 ici, mais fan de 1000 pour une benne, ça sert à rien. Du coup, comme tracteur, on prend quoi alors?
Alors du coup, alors, pour info, on devait s'acheter, du coup, vous êtes très nombreux à avoir dit en commentaire, je pense que même les trois quarts ont dit le Caz Optum métallisé, donc c'est le celui que j'ai montré, c'est le Optum Black métallisé, il est super beau, mais au final, on a pensé que si on va acheter le plus gros, enfin un gros semoir, là, vous savez, le gros semoir que je vous ai montré, autant, si on gagne un tracteur gratuit, autant se prendre un gros tracteur, c'est plus logique. Donc le Caz Optum, vu qu'il est moins cher, autant se l'acheter avec notre propre argent. Donc du coup, bah, vous me direz en commentaire qu'est-ce que qu'on achète comme gros tracteur avec le semoir. D'ailleurs, je pense que le semoir, on va rester acheté maintenant, je pense. Alors du coup, par contre, il me faut la benne. Je vais prendre la bouche, hein, parce que celle-là, elle est un peu petite. Je vais prendre la bouche, les amis. Et ah oui, faut savoir, attends, mec, on a beaucoup d'achats à faire. Alors, attends, dans la vidéo, du coup, j'avais dit. Donc acheter le gros semoir, moissonner, réparer les tracteurs, parce que du coup, je crois que le New Holland, il est claqué le semoir. Hein. Le semoir et le tracteur, il est claqué du New Holland. Il faut qu'on aille le réparer et faire le plein. Enfin, du coup, au moins le réparer. Donc là, alors la benne, je vais apporter ça au champ. Et du coup, ranger les bottes. Donc ça, ouais, faucher, acheter le champ 31. Alors du coup, ouais, le champ 31 aussi, on compte se l'acheter pour se l'agrandir. Tu me dis quand c'est mûr, hein, Zero. D'ailleurs, attends, ouais, je regarde si mon herbe, elle est au moins à maturité. Parce que pire, si l'herbe est à maturité. Non, en cours de croissance. Mais est-ce qu'on peut la faucher l'herbe qui est pas totalement à maturité? Je sais pas du tout. Je crois pas. Je sais pas. Attends, on va tester. Par contre, il va faire nuit, ça va être chiant, ça. Sinon, je ferai une coupure, on reprendra quand il fera jour. Parce que la nuit, c'est pas hyper intéressant dans la vidéo. Et donc voilà les gars, en plus c'était très nombreux à vouloir aussi un JCB, parce que le JCB ça va très vite, enfin c'est dans Farming, c'est un tracteur qui va vite, donc même en vrai. Et du coup je me dis ça peut être bien d'avoir un JCB, mais bon, au final vu que tous les champs sont à côté, pff, au pire ça fait l'affaire. Ok, donc là on est bon, je vais juste apporter le classe dans le champ d'herbe les amis, hop là. Et puis on verra bien. Et d'ailleurs, alors merci beaucoup parce que le placement de produit du coup que j'ai fait du coup dimanche dernier, en fait ça vous a tellement plu, genre je pensais que... Bah, enfin après je savais pas trop comment vous allez réagir parce qu'en placement de produit en général, enfin je sais pas, soit vous en foutez, ou soit, après c'est pour acheter des DLC classe, c'est pas pour juste voilà comme ça, mais du coup là vous avez été en mode ouais trop stylé, parce que j'ai essayé de faire passer ça un petit peu en mode, enfin un petit jeu d'acteur sympa tu vois, donc du coup voilà ça vous a quand même plu, donc ça fait plaisir les gars, donc là ouais il reste quelques petites mauvaises herbes. Et on va voir où c'est que ça en est niveau du champ, il fait un petit peu de nuit, j'espère que ça va pas vous déranger la nuit, puis des fois c'est cool de travailler la nuit. On va voir un petit peu. Ah non mais je suis bête, on peut dormir sur la partie. Bah oh, bah tu sais quoi, on va pas dormir parce que c'est vrai que je suis bête, mais en fait depuis le début de la série en fait on avance le temps toute la nuit. Mais en fait on pourrait juste aller dans une seule ferme. Tout le monde va dans une seule ferme. Et non, c'est pas encore mûr. L'herbe n'est pas encore totalement mûre. Donc on va attendre un petit peu, tout simplement. On va attendre un petit peu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une coupure, on se retrouve quand il fait jour. Ouais. Je pense que ça sera mieux. On est de retour, donc on a avancé le temps, on a dormi. Donc le champ est mûr du coup juste à côté. Et celui-là a été fauché complètement. Bah du coup Zero, on est parti, hein. Il va falloir qu'on aille en dénée. On va commencer à faucher ce champ. Faut se dépêcher, c'est tout là. Ouais, carrément. On va se dépêcher à mort les gars. On va essayer de faire un bon truc. Bon, je pense qu'il faudra aller vendre les palettes de poules parce que là elles sont en train de gueuler. Plus de place pour les poules, donc faut aller qu'on aille. Attends, je vais aller régler ça parce que les poules elles ont un problème là. C'est juste que les animaux on s'en sert pas trop, enfin genre on s'en sert en ce moment. En fait quand on est en plein dans un défi, les animaux en général, bon, ils ont besoin d'un bouffer, mais ils ont plus. Les vaches, d'ailleurs les premières fois les vaches elles ont rien. Les vaches, alors les poules elles ont rien. Les vaches, les vaches elles ont rien mec, il faut qu'on... Oh, je vous promets les amis, dans le prochain épisode on s'en occupe vraiment. Et même voilà, mercredi en live. C'est un défi de fou qu'on a, donc là faut vraiment ouais, là, faut qu'on réussisse. En vrai c'est un... C'est pas le plus gros défi, mais en vrai 200 bots ça demande du temps. Si c'était un petit défi, genre allez tu fais 50 bots ça va, mais là... On est sur des bons défis pas mal, donc faut qu'on essaie de bosser pas mal. Alors par contre, donc là c'est bon ou pas? Est-ce que ça arrive à créer ou pas? Mec, il y a des cartons partout ici. Attends, je vais juste les cartons à côté. Mec, il va y avoir une montagne de cartons à force. Hein. Faudra juste qu'on aille les vendre. Et puis on sera bon. Attends, je vais acheter le semoir. Faut que je finisse de faucher, faut acheter le semoir, ranger les bottes. Il y a trop de trucs à faire. Et puis il y a tellement de trucs à faire. Un conseil, achetez pas le semoir, on a pas de gros tracteur pour le moment. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Et après, on a quand même le 1080, 1050 qui puis. Non, mais ça tira pas, ça va, il demande 686 chevaux, je crois, le plus gros. Comme ouais, ça a arrêté, elle. Elle devait moissonner, elle s'est arrêtée. Ok. Soja, attends, mais du coup, attends, mais du soja, il va y en avoir tellement, mec, du soja. T'imagines tout ce qu'on va avoir pressé, là. J'arrive. J'avais pressé, juste je redémarre l'ouvrier. Non, pas pressé, fauché, pardon. Je fauche. Tu vas en donner derrière moi? Ouais, je vais ramasser. Je ramasse les bottes. Comme tu veux, moi j'ai pas envie de faire tout. Enfin, ouais, ça se passe quoi? Ah! Ah oui, effectivement, du coup l'ouvrier il sème, mais du coup ça a poussé à côté. Intéressant tout ça. Bon, alors, c'est parti, on va faucher. Je vais vous montrer du coup les champs que j'ai améliorés. Et du coup, je pense que le champ 18, les amis, on va le mettre en herbe. Hein, parce que du coup là pour l'instant, on a mis ces deux champs en herbe juste pour le défi. On les remettra en culture après. C'est juste pour le défi parce qu'il faut vraiment qu'on se crouille. En vrai, mec, je suis stressé, j'ai envie de gagner ce défi, c'est fou. Est-ce que dans le chat, vous me direz, enfin, dans le chat, dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on gagne le défi? Parce que je pense qu'on va pas le réussir avant la fin de la vidéo. Mais franchement, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner.
Je sais pas ce que t'en penses, Diro. Mais en vrai, faut gagner, c'est tout. On est bien parti. Mais eux ont eu l'idée de semer des champs en herbe avant nous, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'eux ils ont déjà fauché leurs champs en herbe. Donc on va voir ce que ça va donner, les amis. Donc ouais, tu pourras arriver avec l'entraîneur. Hein. Je vais essayer de faire un gros détourage. Ah d'accord. T'es en train de faire quoi? T'es où? Mais attends, une fois que j'ai fait mon tour, ah, en fait, là, d'accord. Vu que j'ai envie de changer, enfin, je peux pas faire tout dans la vidéo, hein, mais du coup, on arrive dans la partie du champ que j'ai semé. On arrive dans tous les champs de la partie. Il y a tellement de champs ici. Il y a un petit bout de colza. Je me suis dit, c'est bon, on peut mettre non plus tout en herbe. Du coup, j'ai mis un petit bout de colza, enfin un petit bout du champ en colza là, qu'il faudra qu'on ait récolté. Donc voilà, mais du coup on est en plein dans le défi, j'espère que ça vous dérange pas qu'on fait que de l'herbe en ce moment, mais c'est le défi donc c'est comme ça. Et du coup n'hésitez pas à réagir, je disais mais ça, mais du coup j'ai un Twitter et du coup je me suis dit, vous mettez hashtag AD3F, aventure des trois fermes. Et oui, sur Twitter, genre je sais pas, vous regardez ma vidéo, mettez un petit hashtag et tout, genre ça fera une petite pub. Mais ouais, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, ça fait très plaisir. Alors bon, Zero, je vais finir ma ligne là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas recontinuer à faucher, je pense. Et moi, je vais charger les bottes, un petit peu les ranger, les compter et tout. Parce que du coup, voilà. Après, je sais pas si ça vous saoule, mais je préfère ne pas faire tout le temps la même activité en vidéo. Ouais, non, mais c'est mieux des fois. C'est mieux aussi de changer aussi. Voilà. Et puis en vrai, mec. En vrai, cette montagne, si elle existait pas, mec, on pourrait faire un champ, mais tellement. En vrai, bon, ça serait un peu trop game. En vrai, là, ça ferait un champ tellement trop gros. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est bien. J'y pense, en vrai. Quand on regarde en vrai le premier épisode, j'ai regardé les premiers épisodes, mec, c'était fou. Hein. Il y avait rien. C'était un terrain tout plat. On avait un petit champ tout pourri. Et en vrai, il me tarde en vrai de refaire la nouvelle saison des trois fermes. Vraiment, il me tarde tellement la nouvelle saison des trois fermes. Parce que ça va être trop bien, en vrai. Ça va vraiment être trop bien. Vas-y, je change. T'as qu'à faucher, Zero. Tu fais quoi là? Mais fauche, il faut faire plusieurs tours avant d'en donner. Donc mais là les bottes, tu les as ramenées ou pas les bottes? Ah t'as tout ramené pratiquement. Il en reste un petit peu quelques-uns là. Ouais. Je vais ramener ça. Et donc du coup je disais quoi? Je disais donc ouais, il me tarde vraiment les nouvelles trois fermes. Alors normalement c'est LSC qui devrait être là. Enfin d'après ce que vous avez proposé, vous voulez vraiment qu'LSC soit dans la prochaine série avec nous. Ah mais t'as fauché aussi là dans l'herbe ici. T'as fauché partout. Où ça? Bah je sais pas, elles sont pas nous ces bottes? Ah, si. Mais pourquoi il y a des bottes là mec? Regarde où c'est que j'étais. Ah c'est qu'ils ont glissé sûrement. Ah ouais, bah elles sont bien glissées. Et du coup, je suis en 31, est-ce qu'on se l'achète? Ouais, on l'achète en parce qu'en vrai, attends, j'aurais une pensée que là, mec, on va être milliardaire. Là, prochain épisode, on est milliardaire, hein, je vous le dis. Hein. Parce que, regardez, déjà, défi des bottes, on va réussir. Donc on va réussir. Du moins, même si on n'est pas premier, on va quand même gagner des choses. On a ce grand champ de soja. Si on achète le champ 31, on perd de l'argent, mais il est en soja, donc on va aussi gagner de l'argent. On a le gros champ de soja qui est en train de se faire moissonner. On a un nouveau champ en blé qui est en train de se faire semer. Donc là, ça fait une très très grosse récolte. Et on va être pas mal, je pense. Par contre, je vais juste les poser par terre. Mais attends, il y a une botte qui roule. Ah mais t'as fait plusieurs tas de bottes. Par contre j'avoue que là niveau des bottes, ouais, mec, il va y en avoir partout. Ils sont tombés des bottes, je suis désolé mais je me suis même. Ouais mais il faudra qu'on aille les compter. En fait j'y pense mais on ramasse les bottes mais on sait pas exactement comme on en a. Donc ça se trouve on a réussi le défi mais on sait même pas. Non, pas deux encore. Bon si tu le dis, j'espère que oui. Attends, je vais charger ce petit truc ici. En tout cas merci ceux qui laissent des pouces bleus parce qu'encore une fois vous êtes très nombreux à aimer et puis vraiment hein, cette vidéo elle a été très compliquée à tourner. Vraiment je me suis dit à un moment elle sortira jamais dimanche mais on a réussi, mais c'est juste qu'il y a des mods qui bug et la partie elle a tellement d'heures à force que le serveur il commence à galérer. Heureusement que Viric Games c'est des bons serveurs mais c'est vrai que ça galère un peu. Alors les bots là je vais les poser ici, celles qui restent. Attends merde, ok donc c'est bon, je vais juste prendre ça à l'arrière. Et du coup ce plateau là c'est pas... Ah oui non c'est pas mal, celui-là il est bien ce plateau. En vrai il est cool, c'est le bouche là, il est pas mal du tout. J'arrive du coup Zero. Normalement toutes les bottes ont été rassemblées logiquement. Donc j'arrive avec le petit télescope pour ramasser les petites bottes. Et il y a un déchemeur en plein milieu. Oui c'est vrai, il y a un déchemeur. Donc alors ouais du coup vous me direz en commentaire pour le trésor collé qu'on achète. Je pense que ça peut être sympa de voir tout ça. J'arrive, le télescope. D'ailleurs j'espère que cette vidéo vous trouvez pas que genre on est un peu speed. Mais c'est juste que vraiment... On a pris je pense 1h30 de retard de tournage, du coup là il est actuellement 22h30, 22h20 quand on tourne. Donc bon, en général on devait avoir fini à cette heure là mais on commence à peine. Enfin bref, du coup voilà, bon alors j'arrive Zero, je vais en donner. Mais du coup alors d'un côté je suis content parce que du coup le défi est normalement pas terminé non plus pour nous ni pour eux. Donc on va pouvoir bien avancer pour le prochain. J'espère que le prochain épisode, en tous les cas, on fera une coupure, on va bosser hors vidéo de façon à ce que vraiment on reprenne. Et genre dès qu'on reprend la vidéo, on a pratiquement terminé le défi, on est vraiment pratiquement tous pareils. Ou alors vraiment il manque quelques bots, mais en vrai 200 bots c'est beaucoup. Hein. Et du coup attends j'y pense, mais les 200 bots, est-ce qu'on pourra les vendre après? Est-ce qu'on pourra les garder? Ou est-ce qu'on devra les... Après nous on a jamais eu de rubanage encore, donc je pense qu'il faut garder à peu près 100 et vendre les 100 autres quoi.
À moitié-moitié. Ouais, tu vas en vendre. Non, mais je disais, genre, est-ce que si le défi est réussi ou pas? Genre, est-ce que les bots, on les a fait pour le défi, donc est-ce que les bots disparaissent puisque le défi est fini? Ou alors on les garde? Ah bah non, on peut les garder. Bah, en vrai, mec, ça me fait chier même, hein, tout ce qu'on a bossé dessus, mec. Bah, oui, j'avoue, donc ouais, ouais. Ok, bah, c'est parti, go en déné. On va regarder ça. Alors en plus, mec, là, ça devrait donner max, hein, parce que c'est pulvérisé, enfin c'est épandu x2 sur certains terrains. Enfin, attends, je vais regarder. Non, je vais essayer ma plus. Ouais, mais comment ça se passe du coup? Parce que là, on a un plateau. T'en mets le plateau, mais on fait un tala et un tala bas. On fait comment? Bah, je sais pas. Non, on va la faire en gros tas même endroit. Je sais pas. Mais non, logiquement, c'est tout un ancien endroit. Enfin, je sais pas en vrai. On va voir. Bref, on s'en fout. On est tous les cas. Bref, attends. Alors, pour l'instant, je regarde. Juste fertiliser. Est-ce que c'est bien fertilisé? Donc là, c'est... non, c'est fertilisé en un coup. Mais même, c'est déjà fertilisé à 50%. Donc c'est déjà quand même sympa. Et du coup, regardez le tracteur. Par contre, il n'y a plus rien. Le tracteur, faudra vraiment qu'on aille le réparer. Bah, attends, mais mec, attends, mais t'avais tout ce qu'il y a à faucher là, mec? En vrai, mec, on va avoir. Là, il y a moyen qu'on récupère plus de 50-60 bottes, hein. Vu comment c'est pulvérisé. J'espère même plus, hein. On va essayer de voir. On va essayer de se débrouiller, les amis. J'espère que ça va pas être trop long. Mais bon, on va essayer de voir. Il y a du colza du coup à récolter aussi à côté. Et ensuite. Bah, alors, du coup, ouais, est-ce que du coup, le champ 31, tu veux qu'on l'achète, Zero? C'est lequel? Bah, c'est celui qui est juste derrière là. Celui qui ah, demande. Ah, mais ouais, faudrait l'acheter comme ça pour. Parce qu'en vrai, si. Je le sens bien. Je pense qu'ils vont pas l'acheter, LSC. Moi, je pense que si. Ah ouais? Si l'achète, mec, en vrai, ça me ferait chier quand même. Qu'ils vont l'acheter, c'est sûr. Parce qu'il m'a dit qu'en vrai, c'est un champ. Enfin, en vrai, nous, ça va parce que genre, c'est champ 23, 30. Enfin, il y a plein de champs à côté, donc on peut les rassembler pour faire un gros champ. Mais eux, ce serait une seule parcelle, donc ça ferait une parcelle assez petite pour eux. Donc bon, à voir, mais en vrai, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Est-ce que. Attends, on peut mettre des ouvriers sur le. Oh yes, y'a l'ouvrier, mec. Oh là, je suis trop content. Non, bloqué. Ah non, c'est arrêté, c'est. Mais pour faucher, y'a pas l'ouvrier? Non, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, parce qu'on est. Ah non, parce que c'est pas un champ. Et oui, vu que le champ, c'est un. Il s'est arrêté. Et oui, parce que regardez. Alors, on voit la limite du champ là. Merde. Donc en fait, faut qu'on mette l'ouvrier dans la partie du champ. Attends, je vais réussir à trouver la technique là. Donc logiquement, là, si je le mets, là, il marche, là, logiquement. Parce qu'en fait, non, il y a une partie dans un champ, une partie dans l'autre champ. Bon, on va voir s'il marche. J'espère qu'il marche. Il marche. Là, il marche, mec. Ok, bon. Je vais chercher la presse. On va commencer à presser. Je vais voir où c'est calé la moissonneuse par contre. Est-ce qu'elle a terminé la petite presse ici? En vrai, cette presse, mec, elle a. Mais attends, mais tous les tracteurs sont vides, mec. Faut qu'on aille bah, oui, réparer. Pour la à nouveau. Bah, du coup, non, bah, du coup, pour le tracteur qu'on va acheter, on verra ça plus tard, les amis. On verra ça plus tard. Parce que le 15 octobre, dans tous les cas, si vous voulez pas qu'on achète de gros tracteurs, mais je pense, vaut mieux acheter un gros tracteur. Si on le gagne, autant acheter un gros tracteur. Enfin, s'offrir un gros tracteur. Vaut mieux s'acheter le 15 plus tard, vu que on se l'achètera vraiment avec nos sous. Logiquement, à part si on gagne le défi qu'on est premier. Mais même, non, en tout cas, si on gagne le défi qu'on est premier, c'est soit un tracteur, soit une moissonneuse, soit une ensileuse. Mais du coup, on va pas s'acheter un tracteur. Enfin, si on le gagne, autant gagner une moissonneuse. Je pense la 2080, comme t'as dit. Non, c'est pas la 2800, 2080 non, 2000, c'est la 2080. Mais en fait, bref. C'est un prototype, mais c'est la 2020. Sinon, voilà, c'est là. Ils sont. Bref, voilà, non, c'est une moissonneuse en mode, bien sûr, qui est sur mon site grâce à Zero. Zero met des modes sur mon site en ce moment. Donc, ça fait plaisir. Du coup, c'est très nombreux à aller sur mon site en ce moment, donc ça fait plaisir. Hein. J'essaie de mettre des modes sympas. Déjà, il y a une moissonneuse, c'est une TX qui est sortie. Enfin, sortie. Je crois qu'elle a été fuitée en fait. En fait, c'est une personne qui l'a fuitée. Du coup, le créateur a décidé de la mettre en DL pour que tout le monde profite, quoi. Ah bon, si c'est ça va. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de la mettre sur mon site. Parce que bon, après avoir une réputation de mec qui fuite des modes, c'est pas trop mon but, quoi. Je sais qu'il y en a qui se sont un peu. Il y en a qui se sont pas les couilles, mais bon, moi je m'en bats pas les couilles, quoi. Enfin, bref. Bon, du coup, alors, bah, mec, en vrai, on aura fait quoi? On aura pressé une botte en plus dans la vidéo. Yes. Trop bien. Attends, allez, ah non, attends, mais je suis pète, hein, on peut presser pendant que c'est en ribbon, eh oui. Bon bah, l'ouvrier il se débrouille ou pas là? Ou tu l'as repris? Oh putain, attends, je suis devant lui, ouais, ça va, il est bon. Bah ouais, mais là il va falloir que je récupère, je pense. Attends, parce que là je. Ah ouais, moi cette presse elle est bien, mais. Hop, allez reprendre. Juste quand même, ce qui est chiant, c'est que c'est une presse ronde, donc faut s'arrêter et tout. Mais en vrai, en fait, on perd pas non plus trop de temps, parce que la presse ronde, en fait, même si on doit s'arrêter pour que la botte sorte, elle est en ribbon en même temps. Alors que si on devait faire des bottes carrées par exemple. Genre, ok, tu t'arrêtes pas pour presser, mais tu dois après enrubanner par derrière avec une autre machine. Voilà. Ouais, donc, bah, ou même pour les bottes rondes, on aurait pu essayer de presser ça, on aurait été obligé d'acheter ouais, une enrubaneuse. Donc, en vrai, merci. Tout ça. Merci 76 max. Mais ouais, en vrai, c'est ça, ouais. Ok. Allez hop, donc on est bon. Bon, le landowner il fait du caca là. Le landowner fait du caca, je vais récupérer ça. Bah, c'est de le faire parce que moi, du coup, je suis en train de presser là. Bah, du coup, il faut que attends, je vais faire la dernière ligne juste en bas. Mais en vrai, j'ai envie de voir un petit peu où c'est qu'Axel va nous dire niveau des bottes. Je sais pas s'il a gagné. Mon avis, il nous l'aurait dit parce que
Non, pas Axel, Damien il est. Oui, ah, Damien n'est pas, Axel n'est pas là, mais oui, on va voir Damien. Je sais pas. Après, on a fait exprès qu'on soit deux par femme. Malheureusement, Kevin n'est tout seul parce que Jérémy peut pas être là. Mais Jérémy, du coup, potentiellement, il sera, je pense, un nouveau dans la team vu que c'est un mec qui. Enfin, je trouve en vrai, Jérémy, c'est un mec bien. Il parle bien. Enfin, il parle bien. Il a l'air d'être motivé. Il peut avoir des empêchements comme nous, quoi. Voilà, il y a des empêchements. Des fois, mais, voilà. Voilà, du coup, on sait jamais si vous avez. Si jamais. Alors, n'envoyez pas de mails parce que je reçois plein de mails. Ça va, je vais être recruté et tout. Mais genre en mode si vous avez 12 ans non mais tu vois genre mais bon bref pour l'instant les recrutements sont pas terminés mais on est un petit peu en pause parce que on est en train de réfléchir un peu à toutes les nouvelles c'est séries un peu chiant de recruter ouais en plus c'est ça plus... donc là on est en train de vraiment de réfléchir sur les nouvelles séries qui vont arriver et il y a du lourd qui va arriver je pense donc j'espère que ça vous plaira dont une nouvelle série tous les mercredis en live une série que en live un peu roleplay avec une note et tout donc j'espère que ça va vous plaire ça sera logiquement à partir du 6 septembre enfin la semaine du 6 septembre à peu près. Donc volleyball. Je vais aller voir du coup les amis du coup la femme de Kevin et la femme d'Axel voir un petit peu ce qu'ils en ont parce que nous au niveau bot attends est-ce qu'on sait à peu près comment on a deux bots 0 avec moi c'est avoir un paquet bah, mais on a à peu près 100 on, avant la vidéo on en avait environ 110 120 donc je pense qu'on a à peu près 110 120 quoi on n'a pas dépassé plus donc ouais, voilà. À part si vous les comptez je vous mets en l'air voilà faites pause vous comptez vous me direz en commentaire et voilà. Bref voilà les amis c'est parti on va aller voir du coup la femme de Axel. Donc là les amis du coup on est dans l'affaire, enfin dans le champ du coup de Damien et Hugo. Alors je vois que vous avez une belle machine devant vous, du coup dites-moi un petit peu ce que vous avez fait dans la vidéo. Bah alors on a fait le défi des bots comme ouais. Voilà. Du coup vous avez un tout niveau des bots, vous avez réussi par alors encore, on est actuellement à 148 bots. Ok. De ramasser. En vrai je pense qu'il y a environ 30 bots ou 30-40 bots de différence avec nous. Donc ok d'accord, très bien. Et vous avez et voilà, acheté et... ou loué la machine? Là on l'a loué mais on va l'acheter. Ah, vous voulez l'acheter ouais, je pense que. Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est trop utile, ça va trop vraiment trop vite. Ouais, en vrai, c'est un blend, ouais. Et vous avez dépassé, on a dépassé ouais, un blend. Ouais, bon, ça, ouais. Ok, d'accord. Ok, ok. En vrai, j'avoue, après, elle en donne en même temps, j'avoue. En vrai, que c'est ouais, pas mal. Et roule à 25. Non, mais c'est surtout que ça roule à 25, quoi. Ah ouais, j'avoue, mec. Bon, bah ok, d'accord, très bien. Et voilà. Et du coup, on va aller voir un petit peu. Vous avez rien fait d'autre, enfin, si vous étiez à fond dans le défi de la vidéo, donc ok. Voilà. Et parfait, bah du coup, on va aller voir la si on avait acheté l'endener, je sais pas, ça fait un moment qu'on l'a, mais ouais. Je sais pas si on l'a. Ouais, ok, bon, ouais, bah, et du coup, est-ce que c'est un champ que vous avez pulvérisé ou pas? Enfin, genre, prendu quelque chose non. La première fois, oui, mais après, non. Ok, d'accord, bon, parfait. Bon, bah du coup, on va aller voir la femme de Kevin. Donc les amis, donc là on est dans la ferme de Kevin du coup, mec je crois que t'as fait pareil, t'as loué la même machine que Damien ouais, en fait. J'ai loué exactement la même machine car c'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé. Donc du coup je l'ai loué pour un petit peu plus de 19 000 €. Ok d'accord, et mais t'as une location dans ta ferme par contre, c'est une seule location hein. Ouais une seule location, bah okay, c'est ça, je suis tout seul. Okay. Donc du coup je fais les soldats directement, pour le moment j'ai fait que 56 ballots du coup. Ok. Ah oui t'es un petit peu en retard mais d'accord Et donc du coup bah après t'es tout seul. J'ai rentré les ballots d'or rubané à la ferme et puis c'est tout ce que j'ai fait. Comment okay. Ça fauche plus alors. Ok, ok. Mais en vrai, je pense. Ouais, vous me direz en commentaire, amis, si vous voulez qu'on la loue ou qu'on l'achète dans la prochaine vidéo parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Donc vous me direz en commentaire, ça peut être sympa, mais voilà. Ok, donc là, du coup, on est dans notre ferme, les amis. Donc oui, quand vous êtes arrivés, vous avez fait bosser le bordel. Oui, c'est un peu le bordel. Mais donc du coup, on a stocké nos bottes ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup semé ce champ-là en soja. Le gros champ qu'on avait agrandi, on l'a semé en soja. Bon, il reste une petite partie qui est pas semée parce que j'ai plus de graines. Mais voilà. Donc, en gros, on a fait ça, on a commencé à moissonner. Mais niveau acheter, on a rien acheté, on a vraiment fait que le défi dans la vidéo. Du coup, on a commencé du coup à faucher dans bah, du coup, le deuxième champ. Parce que du coup, hors vidéo, j'ai semé du coup le champ 24, c'est le champ numéro 32 en herbe. Donc, on a fait un petit peu plus d'herbe. Et du coup, voilà. Donc, on est en plein dans le défi, mais on a rien acheté de plus. Donc, voilà. On a fait, on doit être environ à 130, 110, 120 bots. Donc on n'est pas trop loin de vous, Damien et LSC. D'accord, okay. D'accord. Okay. Du coup, ouais, les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'espère que c'était pas trop long de faire que de la foche. Enfin, on a fait quand même pas mal de foche dans la vidéo et de pressage et tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'était à vous, encore une fois, vous proposer des défis du coup pour les tracteurs que vous voulez qu'on achète, vu qu'on pourra acheter des gros tracteurs. Vous me direz ça en commentaire, les amis. Est-ce qu'on s'achètera aussi le champ numéro 31? Ça peut être sympa. C'est le seul champ qui nous manque du coup aux alentours. Donc, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. On verra du coup qui a gagné du coup le défi des bots. Vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est nous, c'est Kevin ou si c'est LSC. Donc voilà, c'était Starvé toute la team. À la prochaine, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des petits commentaires. À la prochaine, allez, ciao tout le monde. Ciao.